c'est pour gâter notre amour. Coco, ah Coco. Welcome fam, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. We're back for a new vidéo. On est là pour une vidéo qui a été tant attendue. Je devais la faire, après je ne l'ai plus faite sur YouTube. Après là, je suis là. Again, we're back for a... Pourquoi j'ai envie de dire à chaque fois fucking en fait? Pour a new video. Okay. On est là pour le Shein haul. Applaudissements s'il vous plaît. Et un peu de mal. Parce que je vous ai expliqué mon problème avec mon autre téléphone, j'avais pas d'espace. À chaque fois que je voulais faire la vidéo, ça se coupait. Et là, maintenant, j'ai de l'espace. Du coup, we're here for the Shein haul. Alors, j'ai pas fait un big, massive haul. Un haul de mes pièces préférées. Je pense que je vais faire d'autres hauls. Vous aurez plein de hauls. Even, dites-moi en commentaire ce que vous voulez comme content. Et je vous laisse avec le reste de la vidéo, quoi. Mini haul, j'ai pris mes pièces préférées. C'est-à-dire que... j'ai essayé de faire un match de toutes les pièces que j'aimais et tout. Et je les ai mises dans le fucking haul. Ici on a this. Alors ça en fait c'est un collant avec un top. Ça j'aime beaucoup. Ça en fait j'ai pris des tops parce que là en fait on rentre dans le printemps. Et dans le printemps il fait pas trop froid comme dans l'hiver. Du coup genre j'ai plein de topies super cute comme ça là. Oui, il y a un petit problème avec le top. Parce que genre le top en fait je le comprends pas en fait. Genre en fait, ça me fait rire parce que genre il y a un truc que... franchement je ne comprends pas. Ce top là en fait il n'était pas censé être comme ça. Regardez comment c'est. Genre à chaque fois je suis obligée de le pousser pour qu'il fasse l'affaire. Mais il ne fait pas l'affaire en fait. Parce que j'ai voulu prendre en L. Mais quand j'ai vu ici, je me suis dit que ici elle allait être trop grand. Et effectivement en fait, si je prenais en L là, ici elle allait être trop grand. Et puis là elle allait rentrer mais ça allait être trop ample en fait. Ça m'énerve ce top. Il est super beau et tout. Je sais que ce top, je peux le porter en comme ça. Même si je le porte comme ça, ici flotte. Bon, bref. En gros, si vous voulez prendre ce top, que vous avez des petits bras, je vous exhorte à foncer. Mais si vous avez les bras et les épaules qui ne veulent pas coopérer là, comme moi, je vous conseille pas parce que là, vous voyez, ça fait des. C'est pas trop joli à voir. C'est pas. Enfin, j'ai essayé de filmer comme ça là. Genre, ouais, mais je suis en train de filmer la vidéo, tout ça. Mais j'ai pas vraiment aimé. Donc, du coup, je vais vous présenter les articles. Et il y a des vidéos où j'ai porté les articles qui vont sûrement sortir là. Ne calculez pas toutes les bêtises que j'ai fait. En fait, j'étais en train d'écouter de la bonne zik. Du coup, je mangeais un peu sur les sons. Du coup, on va commencer par. Alors, je trouvais qu'il me. Enfin, je manquais de bas. Donc, j'ai pris ce collant là. Porté, il est super beau. Mais sinon il est comme ça. À première vue, je dirais j'ai pris aussi du M. Ça j'ai pris du M, c'est les Shein Sexy. C'est vraiment trop beau. Et c'est très long. Genre dites-vous que moi je fais 1m80 et ça arrive jusqu'à mes pieds, jusqu'en là, là ça traîne un peu. Donc si vous êtes petite, ça va vraiment bien traîner en fait. Et si vous avez des grosses hanches, je vous conseille, si genre vous faites après la forme, je vous conseille de prendre du M parce que du L ça va flotter. Le M c'est vraiment parfait en fait, ça va plaquer juste comme il faut. On passe à ce top là, super beau. Et la matière, quand je touche même la matière, je sens que ça tient chaud. C'est super beau, genre c'est un top en mode genre semblant de comme si t'as porté un top à bretelles avec ça. C'est en manche longue. Je vous ai dit c'est le printemps donc je me suis prise des choses en mode haul printemps tout ça. C'est franchement ce top je recommande à 100%. Et c'est super ample en fait, ça aussi je l'ai pris en M. Je trouve un peu grand mais je pense que c'est parfait parce que si je l'avais pris en S ça allait être trop plaqué comme celui-là, mais je l'ai pris en M. Je pense que c'est la matière qui est dure en fait, mais franchement je vous le recommande, il est super beau. On a ce pantalon iconique de chez Shein. Je suis sûre que vous avez forcément déjà vu quelqu'un porter ça. On se dit tous est-ce que ça va m'aller, et moi je vous rassure la matière elle est super, c'est genre c'est super élastique. Et franchement, c'est un Kinder surprise ce truc. Parce que je m'attendais à ce que ça serre ou bien un truc. Ça, je pense que je l'ai pris en L parce que justement j'avais peur. Mais franchement, prenez une taille au-dessus. Parce que genre là que j'ai pris en L, c'est vraiment parfait. Si j'avais pris en M, ça allait sûrement être un peu petit, genre trop plaqué. Là, c'est ample, c'est super, c'est parfait et c'est très long. Comme je vous ai dit, je fais 1m80. Du coup, si vous voyez que ça descend super bien, c'est que prenez votre taille en fait. Ça, prenez une taille
au-dessus de votre taille habituelle. Maintenant, si vous faites du M et moins, je vous conseille de prendre S. Parce que genre, généralement, Chine, il taille grand. Quand c'est S, c'est pas S petit, c'est S grand. Une taille au-dessus de votre taille normale, c'est super, super beau. Ce truc de sport-là, je ne l'ai pas essayé, mais il est super gainant. Et cette partie-là, c'est super, super gainant. Si vous voulez faire du sport avec, je recommande à 100%. J'en ai pris 3, j'en ai pris ça. J'ai pris le noir et j'ai pris le bleu. Malheureusement, je ne sais pas où ils sont. Mais voilà. Et quand vous portez, ça fait ressortir aux fesses. Voilà. Genre, c'est un peu une mini-gaine, genre pour le ventre et puis pour les fesses aussi. C'est vraiment parfait. Vous ne transpirez pas. Au niveau de la gaine, ici, là, vous ne transpirez pas. J'ai fait l'expérience. J'ai soulevé des poids. Je n'ai pas du tout. Ça n'a pas du tout bougé. J'ai pris ça en M. Prenez une taille en dessous, comme ça, ça gaine bien. Parce que si j'avais pris L, ça n'allait pas être trop truc. Si vous faites du S, prenez du, je sais pas, du XS. Si vous faites du M, prenez du S. Si vous faites du L, prenez du M. Donc moi, j'ai voulu prendre du L, mais j'ai opté pour ça. Mais c'est bien sûr, c'est très élastique, mais c'est dur aussi, ça gaine bien. En tout cas, pour faire le sport, je vous recommande à 100%. En fait. Là, en fait, normalement, ils sont trois. Il y a lui, genre il y a lui, et normalement, il y a le noir. Ouais, voilà, donc il y a lui, il y a lui, il y a lui. Ils sont trois. Donc j'ai eu les trois, je crois, pour 19 ou 20 euros. Et franchement, je recommande. C'est des habits, en fait. Au début il est comme ça. Genre, il est super collé. Tu te dis est-ce que ça va montrer, mais je vous garantis que ça va vous montrer. C'est super élastique. Et au fur et à mesure que tu portes pendant plus de temps, ça devient ample. Lui, j'ai porté peut-être pendant 15 minutes. Il est devenu... Non, pas 15 minutes, peut-être pendant 2-3 heures. Il est devenu super ample. Il est là, il est à ma taille là. J'ai pris ça en M. J'ai pris le noir, j'ai pris ça. C'est parfait pour faire le sport. Je pense que je vais faire le sport avec. C'est parfait pour faire le sport. C'est une matière un peu chaude. Donc je me dis, je peux aller à la salle tout en portant ça. Et peut-être arriver à la salle, me changer, porter la culotte. Mais vraiment, moi je vous recommande ceux-là. Ils sont vraiment parfaits. Donc là, on a le noir. Il y a la vidéo portée du noir qui va sortir. Il est vraiment très ample et tout. Et là, du coup, on a la vidéo de ça qui va porter. J'ai pas voulu porter le gris parce que de toute façon, vous avez déjà une idée de à quoi ça ressemble. Donc vraiment, je recommande à 100% aussi. Vraiment, ce haul-là, c'est vraiment une pépite parce que je recommande tout en fait à 100%. Les affaires de Chine, là, genre, faudrait savoir que j'ai été beaucoup déçue par rapport à des tailles. Mais c'est plus par rapport aux chaussures que j'ai commandées. Il y a 2-3 chaussures qui m'ont un peu déçue. Mais niveau vêtements, ils m'ont jamais vraiment déçue en fait. Ça aussi, c'est du MC. C'est wow. En tout cas, je recommande, c'est magnifique. Tout le monde se doit d'avoir un collant noir comme ça, pas def. Moi, je recommande ce collant-là. Je sais pas si c'est un collant, c'est un quoi, un legging, mais ce qui est, il est sublime. Là, je l'ai pris en M. Tous mes pantalons que vous voyez là, je les ai pris en M. Parce que comme je vous ai dit, je pense que j'ai fait un premier... Non, je n'ai pas fait de haul, mais généralement, moi, je fais des tailles fautives. Je vous explique. C'est-à-dire que vous allez me voir, vous allez vous dire à cause de mes hanches que je fais du L. Mais détrompez-vous en fait. Genre, je me suis rendu compte que en boutique, en ligne, je fais du M. Et en magasin, niveau pantalon, je fais du L. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Je suppose que c'est parce que je suis pas grand. Mais ça, j'ai pris ça en M et je ne regrette pas du tout d'avoir pris ça en M. Parce que si j'avais pris ça en L, ça allait être énorme. Et c'est vraiment homme, c'est super beau. Je recommande, tout le monde se doit d'avoir un pantalon comme ça. Ça, c'est un pantalon ready to go. T'as pas envie de t'habiller trop à l'école. Tu portes ce pantalon là avec un pull, des baskets and your gun en fait. Moi, je vous conseille, franchement, je vous conseille ce pantalon parce qu'il est... Et même le porter, peut-être que j'ai pas trop bien montré parce qu'après, il y a la lumière, elle veut pas bien briller. Mais je vous, ce pantalon, il est... Genre, ce collant, il est sublime. Franchement, je donne 10 sur 10 à tous les parce que c'est vraiment des pépites en fait. C'est incroyable, misère. Moi, je me fais rire souvent en fait. Donc ceux-là, en fait, c'est trois. C'est lui et il y a une brassière noire que j'ai portée. Donc c'est au sale parce que je l'ai lavé pour aller au sport. En fait, vous voyez, moi, j'ai toujours voulu m'inscrire à la salle, vous voyez, mais j'ai eu la flemme. Et en fait, je me suis convaincue que fallait que je m'achète des vêtements de sport pour avoir la motivation pour aller à la salle. Alors que je sais pertinemment que c'est pas ça qui va me faire maigrir en fait. Je sais ce qui me fait maigrir, j'ai trouvé la solution et je maigris quand je veux en fait. Mais quand même, j'ai quand même acheté les vêtements là. Donc ça, c'est une brassière de sport. Je recommande à 100%. Mais il y a un problème, je vous conseille de prendre ça en XS. Vous voyez, ces tops là, je les ai pris en S. Mais c'est des tops qui s'élargissent en fait. Donc quand vous portez une fois, la première fois c'est super serré et tout. Là c'est, je crois c'est aujourd'hui que j'ai porté. Vous voyez là c'est super serré.
Mais ça, regardez la différence. Donc ça, je l'ai porté aujourd'hui juste pour faire le haul. Vous voyez, c'est ici, c'est bien, la bande est bien dure. Mais genre, regardez ici, la bande, elle est plus purée, la bande, elle est plus dure. Parce que je l'ai porté, vous voyez, c'est plus élastique. Je l'ai porté pour aller faire du sport, je crois. Mais ça s'élargit. Donc, du coup, si vous voulez pas que ça s'élargisse, après le porter, c'est toujours serré. Hein, mais juste que ça s'élargit. Et puis, c'est plus aussi gainant pour la poitrine. Donc, si vous voulez que l'effet gainant reste longtemps, moi j'ai pris 100S. Mais je vous conseille de prendre un XS. Si vous avez genre une petite poitrine comme moi, je vous conseille de prendre un XS. Genre, si vous êtes en forme, que vous avez une petite poitrine, je vous conseille de prendre un XS. Mais genre, si vous êtes mince, franchement, prenez la plus petite taille que vous pouvez trouver. Parce que ça s'élargit en fait. J'en ai pris en deux couleurs. Et aussi, c'est parfait parce que tu ne transpires pas dedans. Franchement, après, c'est peut-être parce qu'ici il fait froid. Mais en salle, t'as chaud en fait. En salle, tu transpires. Quelle que soit la fraîcheur qu'il y a, tu transpires. Et moi, je vous assure que je n'ai pas du tout transpiré dans ce top-là. Genre, j'ai transpiré sur mes bras. Partout où le ça n'était pas dessus là. C'est là-bas, j'ai transpiré. Mais sur dans le vêtement, même, j'ai pas du tout transpiré. Donc, je vous recommande à 100% si c'est pour faire le sport. Et même genre, pour porter en cozy fit, pour aller se promener, aller faire les courses. Franchement, on a ce top qui est un peu un True Religion dupe. Si vous voyez True Religion, c'est eux qui font les cross comme ça. J'ai vu un pantalon comme ça sur AliExpress, genre un pantalon avec les croix. Je pense que je vais l'acheter juste pour pouvoir porter ça avec le top. Il est sublime, ça c'est un top de Romwe. Moi, ouais, ça m'étonne pas, c'est Romwe qui aime bien faire ces tops. Mais Romwe et Shein, c'est pareil. Romwe, c'est juste pour les gens qui sont un peu égotiques. Et là-bas, les tops sont super moins chers aussi. Donc, ça, c'est un petit tip que je vous donne. Vu qu'on est comme des 6 et des bro ici, je vous donne des tips. Ça, c'est un top. Même les garçons peuvent porter. Enfin, moi, je pense que les garçons peuvent porter. C'est un top qui est super beau. Il est super beau. Et la matière, je ne saurais pas dire si c'est du tissu ou du lycra, mais c'est incroyable. Par contre, j'ai un peu peur parce qu'en été, je me dis qu'une matière qui colle comme ça, est-ce que la transpiration va pas ressortir? Parce que c'est plus un top que je vais porter en été avec une culotte ou un truc comme ça. Mais sinon, le motif, c'est simple, c'est gorgeous. Genre, vraiment, c'est trop beau. Tout le monde doit avoir des petits tops comme ça, là, dans sa garde-robe. Vu qu'il fait froid, mais il fait pas trop froid, donc je me suis pris un léger cardigan comme ça. Que je pourrais mettre quand je vais porter, par exemple, imaginons, genre, je porte le collant avec un top de sport, je mets ce truc-là, comme ça, ce petit cardigan-là. Par contre, il n'est pas lourd, mais il est lourd. Je voulais pas, quand je choisissais mes cardigans, je voulais pas quelque chose de super lourd à mettre dans mon sac. C'est-à-dire que si j'ai l'impression que j'ai chaud, il me fallait un truc pas trop lourd pour que je puisse enrouler, mettre dans mon sac. Et celui-là, il est parfait. Il est pas trop long parce que je voulais pas quelque chose de long non plus. Parce que quand c'est long, c'est difficile à plier. Il est pas trop long, il a pas de boutons, c'est ce que je voulais. Voilà, donc du coup, je vais le fermer comme ça là. C'est super beau. Et ici, c'est un peu puffy. Le tissu tient chaud. Parce que quand je faisais le haul, quand j'ai porté, j'ai automatiquement ressenti une petite chaleur comme si on te faisait un câlin. Et c'est pas, en fait, je vous fais pas puber. Mais genre, vraiment, moi, quand un truc est bon là, tu peux faire dire que c'est bon en fait. Peut-être que c'est pas bon. Hein. Il dit aussi que c'est pas bon. Donc, franchement, je vous recommande ce cardigan à 100%. Franchement, je recommande tout dans ce putain de haul en fait. Cet ensemble de 4 tops. Il me fallait des tops en fait basic, comme ça je pouvais mettre sur mes pantalons, parce que j'ai acheté des pantalons à motif. Donc c'était pour porter avec mes pantalons à motif, avec mes cargos, parce que quand tu portes un truc à motif, faut mettre un truc basic en haut. Donc j'en ai pris 4, j'ai pris le noir qui est super beau, mais par contre il est beau, mais j'aurais aimé le prendre en M. Là, il est en M. J'aurais aimé le prendre en S. Parce que je sens que c'est les tops qui vont s'élargir. Pas maintenant, mais ils vont s'élargir. Et quand ça va s'élargir, ça va devenir un peu grand pour moi. Parce que j'ai pas une grosse poitrine, en fait. Et j'aime bien porter ce genre de top là sans soutien. D'ailleurs, même, je précise que j'ai fait ce haul sans soutien, en fait. Donc, imaginez que tout ce que j'ai fait, je n'ai pas fait avec un soutien. Donc, c'est pour ça que vous allez voir je pointe sur certaines vidéos. Après, voilà, c'est une femme, c'est normal. Donc, j'ai pris en noir. J'ai pris en ça là. Lui, je sens que je vais le porter. Je vais le saucer. Et je vais le porter avec des jupes, avec des... Ça va barder. Et ensuite, j'ai pris celui-là que je sens que je vais porter. Je vais beaucoup porter pour sortir. Parce que cette couleur est très... Genre, la couleur est élégante, en fait. Genre, c'est une couleur que tu peux porter avec un pantalon en cuir et un veston. Voilà. Ça, c'est pas Shein. Hein. C'est Bosture. Bosture, genre j'ai acheté ça chez Shein, mais je pense que c'est pas Shein qui vendait ça. Ça doit être, je sais pas, une marque qui vend sur Shein. Ensuite, il y a le bleu que je vais saucer en été aussi. Je vais le porter avec, je sais pas, je vais faire des color match. Et ouais,
sur Instagram, parce que je commençais à faire des reels de vêtements. Donc, ce genre de top bleu, bleu marine comme ça, là, ça peut me servir à faire plusieurs fits. Donc voilà. Sinon, ça taille bien, mais j'aurais aimé prendre ça en petite taille, plus petit. Mais sinon, ça taille super bien. Genre, si tu veux quelque chose qui n'est pas trop serré, ample. This is free. On a ce top que j'ai oublié d'essayer. J'ai oublié. En fait, je savais pas qu'il était là. Mais je pense que ce top là, non. Il est un peu comme celui-là. Mais en fait, lui, il est comme ça. Vous voyez? Parce que. Ciao! En fait, j'avais commandé un top qui est venu. Mais c'était pas ça, en fait. J'ai vu que c'est ça, mais c'était pas ça. Donc, ça, c'est un top que je vais aussi saucer. Parce que je sais déjà avec quoi je vais porter. Je vais porter ça avec une jupe fleurie là. Oh mon dieu. C'est un top comme ça qu'il me fallait. C'est un top basic, mais pour moi, c'est pas basic. Parce que je sais comment je vais style, en fait. Genre, vous voyez, en 2000, je sais pas, quand les tops comme ça étaient à la mode, on prenait nos tops, on les descendait comme ça. Donc, c'est un genre de top. Par contre, j'ai un peu peur pour Omnisia. J'ai un peu peur pour les bras. Pour que ça, genre, j'ai peur que ça fasse comme ça. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu la même matière. Mais ouais. Donc, voilà. Malheureusement, j'ai pas pu essayer. Mais vous allez me suivre. Hein. Suivez-moi sur mes réseaux. Je vais forcément porter ça dans les jours à venir. Donc, vous allez regarder. Family are back. En fait, je sais pas comment j'ai terminé la vidéo. Mais il y a un souci, en fait. Vu que, en fait, hier, j'ai fait le haul. Dites-vous que, genre, j'ai fait le haul. Exemple, j'ai fait le haul lundi, mais juste mardi, j'ai reçu d'autres colis. Et aujourd'hui, en fait, vu qu'il y a une BRS sur la toile, je me suis dit, je vais pas poster ma vidéo matin parce que je voulais la poster à 18h, mais les gens ne seront pas concentrés. Donc, je vais la poster soit demain ou bien soit plus tard dans la soirée. Donc, du coup, je vais profiter pour vous montrer les autres articles qui sont venus aujourd'hui. Du coup, c'était une commande, c'était deux grosses commandes. La première commande, c'est ce que vous avez vu, je crois, au début quand j'ai porté l'autre tabi. Et vu que l'autre est venu aujourd'hui, du coup, c'est un autre jour. Et donc, j'ai continué à filmer et tout. Donc on va juste continuer dans, enfin, où on s'est arrêté et voilà. Je suis vraiment une Shine addict. Genre en fait, je vous ai expliqué mon affaire, ma technicienne de cils là, elle veut pas venir faire mes yeux. Et puis moi aussi j'ai la flemme de faire mes yeux, donc du coup je préfère acheter des faux cils. Et en vrai les faux cils de Shine ça gère hein. Là j'ai porté un là. Ça gère vraiment de ouf. Donc du coup vu que ça gère et vu que je veux jamais être en rupture de stock de faux cils, j'ai commandé 5 paquets de faux cils. Mais en fait ceux-là c'est les faux cils que je portais avant, les super longs là. Mais j'ai arrêté de porter parce que maintenant je suis dans ma natural era. Je suis une era clean girl. Et quand tu es dans ma era clean girl, on met pas des lashes de baddie comme ça. Je me suis dit qu'en fait il y a des make-up looks que je voulais faire et il me fallait des trucs longs comme ça. Donc là c'est des 9D. C'est vraiment long, hein, mais j'en portais ça, un joli, vraiment joli défi. Du coup, j'en ai pris deux, comme ça. Genre deux ou trois, hein. Attendez, laissez-moi vérifier. En fait, c'est des différents styles. À première vue, c'est pareil, mais c'est pas pareil. Ça, c'est 9D4, ça, c'est 9D13. 9D4, c'est genre plus long et moins chargé. Ici, c'est chargé et long. Et ici, on a 9D13. J'ai pris deux 9D13 parce que aussi souvent quand mes copines viennent souvent chez moi, elles n'ont pas de fossiles. Du coup, je me suis dit, il faut avoir plusieurs variétés de fossiles comme ça. Bah, si les copines viennent, t'en as plein. Ensuite, ça, c'est mes fossiles que je mets habituellement. C'est des fossiles à effet naturel qui font comme des extensions de cils. C'est vraiment un grand fait. Là, je profite en même temps pour vous dire qu'en fait, là, je vais lancer ma marque de fossiles. Et je vais opter pour ce genre de fossile là. Je vais pas prendre ça de Chine. Ce que je vais vendre, ce sera ma marque, mon emballage. Je vais opter pour ce genre de fossile là. Et voilà, des fossiles qui font un effet extension. Du coup, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est des 7D80. Ne vous inquiétez pas, toutes les rêves seront dans les descriptions. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris ceux-là. C'est lui-là que j'ai porté aujourd'hui. Vous voyez, ça fait un effet clean, un effet sexy. Un effet yarn, non, en fait. Donc, ça, c'est ce que j'ai pris. Voilà. So, here is it. Les accessoires, comment on me parle pas, là? On me parle pas, ça, normal, il ne pas prendre. Je suis allée prendre. En fait, j'ai acheté un nouveau téléphone récemment, vous voyez. Et en fait, ça, quand je sais, à première vue, j'ai vu que c'était un crayon, un pinceau. Parce que j'ai voulu commander un crayon, genre un eye pencil. Mais après, je me suis désistée parce que je me suis dit, bah, c'est pas compatible avec mon téléphone. Donc, je me suis désistée. Je vais aller prendre mon crayon Apple directement. Mais j'ai acheté un anti-choc. Franchement, je suis choquée. Chine, ils vont nous tuer un jour, en fait. Regardez, ça vient. J'ai pris les anti-chocs où, genre, quand tu mets tes yeux dans mon téléphone, là, tu peux pas voir là. Parce que dans les métros, les gens sont tous pourquoi tôt. Donc, ça vient en deux comme ça. Je sais pas si c'est devant, c'est derrière. C'est qu'est-ce que ça vient en deux comme ça avec les machins pour nettoyer. Ça, je vais installer ça tout à l'heure avant de sortir. Parce que mon téléphone tombe trop, mon cœur bat.
Ensuite, toujours dans les accessoires, j'ai pris ça. Là, j'ai déjà un trépied, vous voyez, mais pour faire mes lives, il me faut un trépied long, bêtement comme ça, pour que je puisse bouger, genre mon téléphone en fait. Donc, ça vient comme ça. Je pense qu'on met ça là, comme ça. Wesh. En tout cas, genre, moi, là, je sais pas comment ça se met, mais. On va arranger ça pour moi, ne vous inquiétez pas. En tout cas, c'est genre les. Ouais. Je sais pas comment ça marche, mais c'est qui est dessus. Je pense que c'est un genre comme ça. D'accessoires, j'ai pris un lot de chaussettes. Parce que, en fait, j'avais acheté un lot de chaussettes récemment, là. Mais, enfin, j'ai la flemme de laver mes chaussettes. Genre, vraiment, je les lave, mais j'ai la flemme de tout le temps les laver. Du coup, j'ai des nouvelles. Ça, c'est vraiment des délires de riches. Non, je suis pas riche, mais genre, vraiment, c'est juste de être rien que jusqu'à 3 euros, mais au moins 10 en fait dedans. 3 euros. Donc, je me dis, si j'économise 6, 7 euros, je peux me prendre deux paquets et ne pas les laver en fait. Enfin, I don't know if y'all see what I mean. Et généralement, les chaussettes, moi, je les porte 2-3 fois parce que je porte des chaussettes pour rester à la maison, je fais rien et donc ça sent pas, j'ai pas les pieds qui sentent. Donc, je peux reporter mes chaussettes 2-3 fois. Mais genre, une fois que je sors avec et j'ai transpiré dedans, et là, ça devient une galère. Donc, j'ai pris ça. Aussi, moi. Ça, est, il me fallait des chaussures comfy comme ça. Je vais prendre ça pour aller à l'école. Il me fallait des chaussures comfy comme ça pour aller à l'école. Oh mon dieu. Ouais, je pensais que c'était fermé alors que c'est pas fermé. Mais c'est super, c'est super comfy. Et genre en bas là, on peut marcher avec. C'est. Oh, purée. Je m'imagine déjà dedans. Du coup, il y aura une vidéo de moi en train de les porter. Mais en tout cas, là, la matière. Mais par contre, il y a des poils qui sortent. C'est quoi ça? Moi, je suis allergique au pollen, donc je n'aime pas les choses comme ça. Ensuite, on a ce pull-là. Oh mon dieu, il est âpre. Il me fallait des pulls comme ça pour le printemps. Parce que, je vous ai dit, là, il fait plus froid, donc il te faut juste un truc. J'ai plus porté de veste. Il est trop beau, un pull avec le truc ici-là. Et il est trop beau. Vous aurez la vidéo portée. Mais c'est un. Je l'ai pris en taille M, mais je l'ai pris chez les hommes. Donc M chez les hommes, c'est hyper grand. M chez les femmes, ça aurait jamais été comme ça. J'ai pris ce pull-là chez les hommes. Donc vous aurez la ref en fait. L'article me fait peur. C'est un pantalon. Oh, oh misère, il est petit. En fait, vous voyez, moi, chez les femmes, quand je prends des pantalons genre en mode jogging, c'est toujours serré en fait, genre parce que j'ai des grosses hanches, j'ai des grosses fesses, donc c'est toujours serré. J'ai fait exprès d'aller chez les hommes pour prendre ça là. Ça, je pense que j'ai pris en M chez les hommes, mais il est petit, en plus il sera sauté en fait. Moi je fais 1m80, pourquoi vous me donnez des trucs petits, minuscules comme ça? Oh misère, j'aime pas ça. Mais en tous les cas, je vais essayer. Là c'est à première vue, mais je sais déjà que ça va me sauter. Et que ça va pas m'aller. Sauf si je le porte en taille basse. Mais le but c'était pas que je le porte en taille basse en fait. Le but c'était pas que je le porte en taille basse. Hier. Oh. Mon délire c'est juste l'effet des matchs. C'est-à-dire que j'achète des habits comme ça à motif. C'est quoi ça? Habits avec gants. Normalement c'était pas censé être comme ça. C'était censé être un top genre comme ça. Avec un autre top mais vers le bas. Et je pense que je vais porter ça avec une manche. Parce que je ne vois pas porter ça avec les deux manches comme ça. Mais par contre, le top, il est super beau. Et ces tops là, comme ça, t'as l'impression qu'ils sont transparents. Mais je vous assure qu'ils sont pas du tout transparents. J'ai un top exactement comme ça. J'ai vu qu'il était transparent quand je l'ai porté. Il n'était pas du tout transparent. Il est super beau. Je sais que tu peux le porter avec un truc en cuir marron. Il est super, super beau. Ouais. Vous aurez la vidéo portée aussi. Donc. On a ce top iconique aussi de chez Shein. Je pense que vous l'avez sûrement déjà vu sur quelqu'un. Mais hey, il est trop beau. Donc en gros. Ok, je vous explique le thème. En gros, c'est un top, non? Comme ça. Vous mettez votre main comme ça. Et en fait, ça, c'est un bustier. Donc, c'est comme ça. Et par contre, la matière, c'est élastique. Mais j'ai peur que quand je le mette à laver, ça s'élargisse. Vu que c'est de la laine. Mais c'est déjà, genre, le truc est lourd, en fait. Donc, j'espère que, genre, ça va tenir. Ouais. J'ai développé un amour pour les cargos. Mais c'est pas ces jours-ci, en fait. Oh, purée, c'est pas bon. J'avais commandé chez les femmes là, ça faisait quoi? Ça faisait rien. Ça là, j'ai fait exprès, j'ai pris ça en grande taille, mais je sais que ça va me flotter en fait. Enfin, ça me serrer. Et c'est pas long en fait, suffisamment à mon goût.
Et tout ça, je vais devoir te vendre ou bien donner. Regardez comment ça fait. Bref, vous aurez la vidéo essayée. Mais franchement, moi, ça me déçoit un peu hein, parce que je m'attendais à un truc pas comme ça en fait. Là, ça fait trop genre. Je sens que ça ne va pas le faire. Et... Talon, j'ai vu ça dans le. Ah ouais, ça par contre, je pense que c'est le seul truc qui va m'aller. J'ai vu ça dans le panier de mon meilleur ami et j'ai dit que j'allais prendre pour qu'on fasse l'uniforme. Donc ça par contre, je sens que ça va m'aller parce que je vois que c'est long. Mais en fait, j'aime pas la coupe du bas. La coupe là, de tous les pantalons sont comme ça. Je les aime pas en fait. Purée. Donc je vais essayer tout ça. Et voilà, je vous montre en fait. Mais franchement, ça à première vue, je pense que ça va m'aller. Ouais, je pense que ça va m'aller. C'est pas comme le cargo là, ouais. En conclusion, on va faire le tour du printemps haul que j'ai fait. Ça, c'est des vêtements que je vais porter en été. Et là, maintenant, vu qu'on est dans le printemps, il fait pas trop froid, j'ai porté ça. Mais je vais aussi porter ça en été, vu que c'est plus des bras, des trucs sans bras, des trucs à manchettes, voilà. J'espère que le haul vous a plu. J'espère que les articles que je vous ai montrés vous ont plu. Tous les articles seront, toutes les références seront dans la barre de description. Du coup, n'hésitez pas à cliquer là-bas. Abonnez-vous à toutes mes pages, à tous mes réseaux, parce que voilà, hein. Et je vous fais des gros bisous, que Dieu vous garde. Et rest in peace. Waouh, vous êtes pas mort. Reposez-vous bien et on se retrouve dimanche pour le weekly vlog.